السلام عليكم. دونك اليوم نكملوا على لي زوندولور اوف جريد، نشوفوا داك، نبداو من لابارتي اللي كنا دخلنا فيها البارح على لي زوندولور اوف جريد. دونك اون فا رابلي كو لوندولور اوف جريد نورمالمون سي لا بيس اسونسييل دون انستالاسيون اون سيت ايزولي. سي لاباري كي بيرمي دو ترانسفورمي لو كورون كونتينو à partir des batteries en courant alternatif pour alimenter les différents appareils de votre maison. Et je vous pose la question pour vérifier si vous avez bien retenu les informations qu'on s'est échangées durant les séances précédentes. Déjà, l'onduleur, je vous ai dit qu'on doit le brancher directement à la batterie. Ouais. Et comment on va être sûr, ou là, quel est le moyen d'être sûr que l'onduleur ne va pas décharger la batterie totalement? Parce que je vous ai dit que normalement, il faut éviter de brancher des appareils directement à la batterie. Ça risque de la décharger profondément et donc ça risque d'endommager la capacité de la batterie. Donc, d'après vous, pourquoi l'onduleur fait l'exception? Pourquoi on peut le brancher directement à la batterie? Alors, on a déjà vu la séance précédente. Parce que, tout simplement, l'onduleur, on avait dit que il contient la protection nécessaire contre la décharge profonde. Ma arf chou wach aqeltou aliha wala la, hit hadchi darnah lbarh. Donc normalement, lorsque vous branchez l'onduleur directement à la batterie, lorsque la batterie va atteindre 50% de sa capacité, automatiquement l'onduleur va arrêter la conversion du courant continu au courant alternatif. Donc, il va s'éteindre, il ne va plus utiliser la batterie. Donc, c'est intégré. C'est un appareil qui prend en charge la protection contre la décharge profonde. Donc, vous ne risquez rien de le brancher directement à la batterie. Walekin, j'aurais bien aimé que quelqu'un parmi vous pose la question, pourquoi on ne branche pas l'onduleur ici avec les charges à la sortie du régulateur? Parce que le régulateur lui-même, il va délivrer la même tension que les batteries à la aux charges. Et lui-même, il intègre la protection contre la décharge profonde lorsque les charges veulent exploiter la batterie après l'avoir déchargée à 50%, normalement il arrête, il coupe l'alimentation des charges. Pourquoi on ne branche pas l'onduleur ici avec les charges sur le régulateur et non pas directement avec la batterie? Est-ce que vous avez une réponse? C'est
Si vous n'avez pas de réponse, je peux vous aider en disant que normalement, le régulateur de charge, il est caractérisé par un courant maximum. C'est-à-dire la principale caractéristique d'un régulateur de charge. Lorsque vous allez acheter un régulateur de charge, vous allez trouver des régulateurs de charge de 10 ampères, 20 ampères, 30 ampères, 40 ampères, 60 ampères, d'accord, 80 ampères. Un de mes les plus connus, les plus utilisés sur le marché. Donc, par exemple, faites l'installation Heidi, on va utiliser un régulateur de charge de 30 ampères, par exemple. D'accord? Donc, automatiquement, le courant maximal qu'il peut accepter à l'entrée photovoltaïque, c'est 30 ampères. Le courant maximal qu'il peut délivrer à la batterie, c'est 30 ampères. Le courant maximal qu'il peut délivrer aux charges, c'est 30 ampères. Donc, il est limité partout par cette valeur de 30 ampères comme courant maximum. D'accord? Alors, je vous repose la question. Pourquoi ne pas brancher l'onduleur directement ou bien brancher l'onduleur à la sortie des charges du régulateur et non pas directement avec la batterie? Je pense monsieur il a branché là mع le régulateur غتعود هذيك لا فالور ديال الكورون ليميتي في اي ماكسيموم ديال بلا سورتي ديال لوندولار غتكون ليميتي في الماكسيموم ديال الريغولاتور. Exactement, il y a la réponse que j'attendais. Il y a un régulateur de charge de 30 ampères, tu vas limiter l'entrée de l'onduleur à 30 ampères. Supposons que l'onduleur, c'est un onduleur de 5 kW. 5 000 watts. D'accord? 5 000 watts, et la batterie, c'est une batterie de 12 volts. Donc normalement, si on veut calculer le courant nécessaire pour produire 5 000 watts de puissance, c'est 5 000 sur 12. Alignant, faites le calcul. C'est 416,6. 416 ampères. Oui. Donc normalement, il a besoin de 416 ampères, alors que le régulateur de charge ne peut délivrer que 30. Ça veut dire que vous allez le limiter à 30 ampères fois 12 volts. Yesh. 10 fois 30 est 360 watts. Donc vous allez limiter un onduleur de 5 000 watts à 360 watts. D'accord? C'est pour ça qu'on ne branche jamais l'onduleur à la sortie du régulateur. Sauf que si c'est un géant régulateur et qu'il accepte de délivrer un courant très fort, donc dans ce cas, on peut le brancher directement. Mais de préférence, la norme ou les recommandations, il vous indique de brancher l'onduleur directement à la batterie. Comme ça, vous n'allez jamais limiter la puissance de l'onduleur. Donc, je rappelle que l'onduleur contient la protection contre la décharge profonde et d'autres protections, à la protection contre le court-circuit, à la sortie de l'onduleur, s'il y a court-circuit, donc il va arrêter de délivrer du courant à sa sortie. La surcharge, si c'est un onduleur, par exemple, de 1000 watts, si vous branchez 3000 watts à sa sortie, automatiquement, il va couper le courant, donc pour éviter d'être endommagé. La surchauffe, si sa température dépasse un seuil, donc automatiquement, il va s'arrêter. Mais chez gars, les onduleurs, si on a de la protection contre la surchauffe, c'est optionnel. Les onduleurs ne contiennent pas la protection contre l'inversion de polarité. Ça veut dire que lorsque vous voulez brancher un onduleur avec une batterie, il faut veiller à respecter les plus et moins indiqués sur les entrées de l'onduleur. Sinon, vous risquez de l'endommager. On avait dit que les onduleurs, on peut les classer en trois types ou la trois catégories. Qu'est-ce les onduleurs signal carré? C'est un mauvais signal à éviter,
éviter de l'utiliser avec les appareils électroménagers. Il peut être utilisé seulement avec les lampes classiques incandescentes ou les résistances chauffantes pour chauffer quelque chose, peut-être, mais avec les appareils électroniques, non. Les onduleurs sinus modifiés, il y a la moyenne gamme, donc ils peuvent être utilisés avec tous les appareils, même si parfois ils causent un certain type de bruit, de parasites, mais quand même, ça reste acceptable, ils ne risquent pas d'endommager vos appareils électroménagers. Ils représentent la moyenne gamme, donc leur prix il est modéré. Aucun les onduleurs pur sinus, on a le plus cher, donc ils produisent une sinusite pure. Parfaite, donc comme le signal qui est présent dans le réseau électrique de ma maison. Donc vous pouvez les utiliser avec tout type d'appareil. Et c'est les onduleurs qui coûtent le plus cher. Pour les caractéristiques d'un onduleur, normalement, il est caractérisé par la puissance nominale. Vous pouvez acheter par exemple un onduleur de 1000 watts. Ça veut dire que vous pouvez brancher des appareils qui peuvent consommer jusqu'à 1000 watts de puissance. Une tension nominale d'entrée, soit c'est un onduleur de 12 volts, de 24 volts, 36 volts, c'est rare, 48 volts. Donc c'est un de les trois valeurs de tension les plus utilisées. 36 volts, c'est très rare. Plage de tension d'entrée en volts. Même si c'est un onduleur, par exemple, 12 volts, vous allez trouver qu'il accepte de 9 volts jusqu'à 15 volts. C'est-à-dire que c'est une plage de tension dans laquelle il peut opérer. Si la tension est inférieure à 9 volts, il ne va pas démarrer. Si c'est supérieur à 15 volts, il va être endommagé, sauf s'il inclut une protection contre la surtension. Mais c'est rare de trouver un onduleur qui est protégé contre la surtension. Flambe batterie, surtout. Mais un flambe PV. Les onduleurs hybrides firment la protection. Ou les onduleurs off-grid, l'entrée PV, c'est rare qu'ils soient protégés contre la surtension. La protection pensée d'entrée basse en volts. Normalement, c'est une valeur en volts. Si la tension de la batterie est inférieure à cette valeur, il se déconnecte. C'est-à-dire, c'est une caractéristique qui est présente sur la fiche technique des onduleurs. Puissance de démarrage admissible en pourcent. On avait dit qu'un onduleur, par exemple, 2000 watts, parfois, vous allez trouver qu'il peut supporter, par exemple, jusqu'à 2000 watts, le double, les 1500 watts, mais durant quelques secondes, juste pour donner le temps à un appareil tel qu'un moteur ou une pompe de démarrer. Mais vous ne pouvez pas l'utiliser en plein temps à 2000 watts ou à 1500 watts. C'est bridé en termes du temps. L'intensité maximale admissible, c'est la même chose. Donc, il admet de produire un courant qui dépasse son courant nominal durant quelques secondes ou là, durant quelques minutes. Tension nominale de sortie, ça peut être de 130 volts, par exemple, ou de 110 volts, ça dépend du pays. Au Maroc, on utilise le 220 ou la 230 volts. Plage de tension de sortie, normalement, un onduleur, même si vous achetez un onduleur qui produit 220 volts, vous allez remarquer que plus vous chargez l'onduleur avec des appareils, plus la tension va chuter. D'accord? Donc, le constructeur vous donne une plage de tension qui représente la tension de sortie. Par exemple, de 200 volts jusqu'à 230 volts. Ça dépend du pourcentage des charges qui sont branchées à la sortie de l'onduleur. L'onde de l'onduleur, est-ce qu'il s'agit d'une onde sinusoïdale, sinus modifié ou bien signal carré? La fréquence nominale de sortie, est-ce qu'il s'agit d'un onduleur 50 Hz? C'est la valeur standard au Maroc. Ou là, d'un onduleur 60 Hz? Par exemple, aux États-Unis, ils utilisent la fréquence 60 Hz. Le rendement maximal, généralement de l'ordre de 90%. Donc, la puissance de l'entrée de l'onduleur, elle est convertie en alternatif. Si vous injectez par exemple 1000 watts de puissance à l'entrée, vous n'aurez jamais 1000 watts à la sortie. Il y aura toujours une chute de puissance. Vous aurez par exemple 900 watts à la sortie.
Et dans ce cas, le rendement de l'onduleur, il est égal à la puissance de sortie sur la puissance de l'entrée. C'est à peu près 90%. Voilà, maintenant, on va passer à la lecture de la fiche technique d'un onduleur off-grid. J'ai choisi le modèle IP1022 de la marque EP-Ever. D'accord? C'est un onduleur pur sinus de 1000 watts. Bon, ce qui est inscrit sur l'onduleur lui-même, sur l'étiquette de l'onduleur, c'est 1000 watts. Mais on va voir sur la fiche technique, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un onduleur 1000 watts ou autre chose. Là, il faut jamais faire confiance à ce qui est inscrit sur l'onduleur. Il faut toujours lire la fiche technique qui donne plus de détails sur les caractéristiques de l'onduleur. C'est un onduleur 24 volts, ça veut dire que vous ne pouvez le brancher qu'avec des batteries d'une tension de 24 volts. Si vous le branchez avec 12 volts, il ne va pas fonctionner. Si vous le branchez avec 48 volts, vous allez l'endommager. Et il va vous sortir 220 volts alternatifs. D'accord? Donc le IP1022, d'abord le modèle qui nous intéresse. Rated input voltage. La tension d'entrée nominale, 24 volts. Donc, on a les batteries. On est en train de vous indiquer la tension de la batterie. Il y a d'autres modèles qui fonctionnent avec 12 volts. D'accord? Mais là, il fonctionne avec 24 volts. Input voltage range. La plage de tension admissible. Il accepte une tension de batterie allant de 21,6, qui représente une batterie totalement déchargée, jusqu'à 32 volts, qui représente une batterie totalement chargée. D'accord? Input surge voltage. Il doit être inférieur à 40 volts. Si vous dépassez 40 volts, l'onduleur va être endommagé d'une façon irréversible. C'est-à-dire la vraie tension maximale, que si vous la dépassez, automatiquement, le dommage est irréversible. L'output voltage, entre 220 et 230 volts alternatifs. D'accord? Plus ou moins 5%. Aide plus ou moins 5%, ça veut dire, ça dépend de ce que vous avez branché à l'onduleur. S'il est à vide, il va vous donner un plus 5%. S'il est totalement chargé, la tension va chuter de moins 5%. Il y a une information, output frequency 50 ou 60 Hz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais chez l'onduleur, vous pouvez choisir entre 50 et 60 Hz. Non. Lorsque vous voulez acheter l'onduleur, vous avez le choix entre deux modèles. Un modèle 50 Hz et un autre modèle 60 Hz. Mais si vous l'achetez, c'est figé. Donc, si vous avez choisi un onduleur 50 Hz, vous ne pouvez pas la changer. Il y a une information qui nous intéresse. Output continuous power. La puissance de sortie continue. Chelkesbin 800 watts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance qui peut être délivrée par l'onduleur durant longtemps ou là, en permanence, c'est 800 watts. ماشي هاد الميل واط اللي كاتبين على لونديلور هنا داكور دونك il ne faut jamais se fier ce qui est inscrit sur l'onduleur. Il faut toujours lire la fiche technique. Ou هاد الشيء راه كندوي على une marque qui est très connue. Alors qu'il y a d'autres marques اللي عيانين وما معروفينش راه كيكتبوا كاريمون فيهم كتلقى اونديلور مكتوبه فيه 5000 واط وهو ما يخرجلكش حتى 2000 واط هذاك الشيء اللي مكتوب فيه غير الكذوب ولا فيش تكنيك براسها راك تلقاه عامره غير بالكذوب داكور مي كتستي الاونديلور كتلقاه تبرونشي فيه 2500 واط اكثر منها صافي بشويه كتشعل فيه لابولا ديال لا ليد ديال السورشارج. مي لي مارك المعروفين لا ما كيكونوش فيهم هاد المشاكل. دونك الا كتبوا لك فيه شي حاجه بحال هاد لا مارك هادي الا مكتوبه فيه 800 واط سي 800 واط، ولكن باش كيديروا شويه ديال الماركتين اوكي كيزيدوا شويه في ليتيكيت اللي ليتيكيت كي تافيشي سور لونديلو. وهنايا هذيك الميل واط اللي كاتبين عليه كيسكو سا ريبريزونت، سا ريبريزونت
output power durant 15 minutes. Ça veut dire que l'onduleur peut délivrer la puissance Hadi, 10 000 watts, durant 15 minutes uniquement. Mais il a fait 15 minutes et il Il a fait 15 minutes pour rejeter 800 watts, mais je ne sais pas ce qu'il est, mais il a prêté une branche et fait 1000 watts en permanence, il ne va pas la supporter. D'accord? Surge power 1600 watts. 1600 watts, une fois vous la dépassez, qui est bloqué, il coupe. D'accord? Qui indique qu'il y a surcharge au caps. Power factor, la puissance réactive entre 0,2 et 1. D'accord? Donc ça dépend. Je branche des charges inductives ou les décharges résistives. Donc il y a un lacab les charges, mais un lacab l'onduleur. Il y a la continuité de la fiche technique. Il vous indique. La forme d'un sinusoïde de la sortie, c'est un pur sinus. D'accord? Le facteur de distorsion, le modèle d'INA, c'est 3%. Les distorsions, on a dit que c'est les qui connaissent la sinusoïde. Donc, normalement, les normes européennes, ils vous imposent que l'onduleur ne dépasse pas un certain seuil. Faites le facteur des distorsions. Elle a des chiffres, les marques, les mizyanines, qu'elle a avec le facteur indiqué, ou qu'elle a généralement inférieur à 3%. Normalement, quand tu vas émerger, elle a des distorsions. Elle a des déformations, les qui mènent au flasinusoïde, ou les qui mènent même, qui mènent les onduleurs off-grid, les onduleurs hybrides, les onduleurs raccordés au réseau câble, on a des distorsions. D'accord? Donc, un onduleur qui ne dépasse pas 3%, c'est un bon onduleur. Au maximum d'efficacité, 95%, ça veut dire que 94,5% de la puissance d'entrée sera convertie en alternative. Vous pouvez l'utiliser comme puissance de sortie. Le reste, il va être perdu. D'accord? Elle dit c'est le maximum. Mais le rendement, il peut descendre en dessous de cette valeur. Ça dépend de quoi? Ça dépend de l'état de charge de la batterie. Premièrement, quand la batterie est déchargée, le rendement de l'onduleur qui est pair. Il y a un. Ça dépend des charges branchées avec l'onduleur. Normalement, il est qu'un onduleur branché fait des charges très faibles, le rendement qui condamne. Ou il est qu'un, il fonctionne en pleine puissance, le rendement qui condamne. Il est qu'un au milieu, qui connaît un bon rendement. Non-load current, ça veut dire même si vous ne branchez aucun appareil avec l'onduleur, alors il va consommer 0,5 ampères les roues, la consommation propre des roues. Un port USB qui peut vous délivrer 5 volts, 1 ampère de charge chargé téléphone. Un port de communication, il y a des onduleurs LI qui peuvent être branchés avec des moniteurs, des écrans, des petits écrans, des appareils Bluetooth, parce que tu peux te connecter à un téléphone. C'est possible, certains types de marques, et donc les dimensions du hélo, d'accord, ou le poids. Donc, les informations essentielles qui connaissent la fiche technique de l'onduleur off-grid. Branchement de l'onduleur. Donc, l'onduleur qui m'a dit les pompes que tu de l'entrée des batteries, les deux bornes, barres, plus ou moins. Rallyman qui est coloré, le positif qui est de l'Ohman, ou le négatif qui est conquête. D'accord? Même si on a fait le câblage, il vaut mieux respecter le système de couleurs. Le positif tire un câble rouge, le négatif tire un câble noir. Comme ça, vous ne risquez pas de les inverser. Un onduleur normalement, alors, qui certainement ventilé, qui confie des ventilateurs, qui seront chouzef. Donc, soit installé chez Blasal, sinon il est d'être un endroit clos, d'arbre fait chimch, ce qu'on y fait, etc. Et il peut
s'arrêter à un certain moment à cause de la surchauffe. Ça nous est arrivé avec un client, même si c'était un onduleur hybride, on l'utilisait en off-grid, mais qui est un réseau avec l'installation. Donc, on a installé avec l'onduleur un petit local technique, un petit château. Et le client avait fermé les deux fenêtres qui étaient dans le local technique. Il a laissé l'onduleur. Et c'était durant l'été. Donc, l'onduleur a commencé à surchauffer parce qu'il n'y a pas l'aération. À chaque fois, il coupait l'alimentation. Donc, les appareils domestiques, ils ne pouvaient plus être alimentés. Il nous appelait. Il nous a dit que l'installation ne fonctionne plus. Donc, on lui a demandé de nous prendre en photo l'écran des onduleurs, les onduleurs hybrides, un écran LCD qui affichait le type de l'erreur à cause de laquelle l'onduleur s'est arrêté. Et il m'a fait qui affichait le code d'erreur. Donc, on avait trouvé un code d'erreur qui correspond à la surchauffe. Donc, on lui avait demandé tout simplement d'ouvrir les fenêtres, dire avec le local technique. ومع لايراسيون ما بقاش هذاك المشكل كيتطرح وهذا الشيء كان غير في الصيف مي نورمالمون في الايام العاديه راه واخا يستهم لهذا ما غاديش يكون مشكل كيكون عنده اون سورتي 230 فولت الترناتيف كيكون بريز اوروبيان ولا بريز يونيفرسال داكور اون بيتيت ليد كي فوز انديك نورمالمون في لي فيرسيون بازيك كيكون عنده دو ليد اون بيتيت ليد كي فوز انديك الاليمونتي par la batterie ou une LED rouge qui indique erreur. Mais l'erreur, ma katarfch tchna hiya. Est-ce qu'il s'agit d'une surcharge ou la surchauffe ou un court-circuit? Mohim, en cas de problème, katchal kadik la LED hamra, tu dois vérifier quelle est la cause du le problème. Ou bien sûr qu'il y a un interrupteur que vous pouvez utiliser pour démarrer ou arrêter l'ondulant. D'accord? L'installation en sa globalité, une installation off-grid, je ne peux pas faire. Donc, on a les modules photovoltaïques qui sont polarisés, positifs, négatifs. Vous devez les brancher à l'entrée PV du régulateur de charge, mais en premier lieu. Ce qu'il faut brancher d'abord, c'est la batterie. D'accord? Il faut respecter la polarité aussi, plus moins. Il faut brancher la batterie avec le régulateur de charge, puis vous pouvez brancher les modules photovoltaïques et l'onduleur, bien sûr, vous allez le brancher directement avec la batterie. D'accord? Mais là, faire le schéma là, j'ai exprès présenté le branchement spécial de l'onduleur. Là, on pouvait le brancher directement avec la batterie. Voilà. Et il va fonctionner correctement. Et si la batterie se décharge à 50%, il va couper l'alimentation. Mais ce qu'on sait, il faut savoir que qu'il y a un certain type de régulateur de charge qui vous donne la main ou qui vous donne la possibilité de choisir le taux de décharge de la batterie. Et il y a un chip d'arôme à 50%. Il peut dire qu'il y a les charges qu'il يقدر يقطع عليهم مثلا 30% ولا 20% ولا 40% داكور دونك il vous donne la main de choisir le seuil de décharge que vous voulez. Dans ce cas, si le régulateur de charge est programmable, علاش ما نستغلوش هذيك لا سورتي ديال لا شارج ديالو ونالمونتو بها ان رولي. هذا سيت ان رولي. Un relais, normalement, c'est un dispositif, c'est un interrupteur commandé par courant continu. Donc, l'interrupteur que vous pouvez fermer ou ouvrir par alimentation de la bobine de le relais. Donc, le relais, il va brancher l'onduleur avec la batterie ou là, il va le débrancher. Je voulais dire comme fait, le relais. C'est le régulateur de charge que vous avez programmé. Et si vous avez choisi un taux de décharge de 30%, une fois que la batterie décharge à 30%, il va couper l'alimentation et le relais va dit donc l'onduleur n'est pas chrétien. D'accord? Est-ce que vous avez compris le point? C'est-à-dire que vous pouvez utiliser la sortie charge de l'onduleur pour commander un relais qui va commander
l'alimentation de l'onduleur. Sinon, il est même concernant un régulateur de charge programmable. En ce cas, vous pouvez brancher l'onduleur directement avec la batterie, il n'y a pas de problème. Tous les onduleurs, ils ont la protection de ne pas décharger la batterie profondément à 100%. Est-ce que vous avez des questions concernant le schéma de branchement? On passe une autre partie. Donc, on a vu les modules photovoltaïques, les régulateurs de charge, les batteries, les onduleurs. Maintenant, on va passer à l'étape installation. Donc, lorsque vous allez partir chez le client, normalement, le scénario, comment il se déroule avec un client? Tout d'abord, il vous contacte. Il indique son besoin. J'ai besoin, par exemple, d'une installation, puisqu'on parle dans cette formation de l'installation off-grid. Donc, il va vous indiquer qu'il s'agit d'une maison ou d'un local technique ou de quelque chose de cette sorte qui n'a pas d'accès au réseau électrique. Il n'a pas d'accès au réseau. Donc, automatiquement, lui, il veut une installation off-grid pour pouvoir alimenter un certain nombre de charges 24 heures sur 24. Donc, la définition d'une installation off-grid. Mais qu'il y a un certain nombre de contraintes à satisfaire. Et pour savoir quelles sont les contraintes, il faut d'abord effectuer une visite technique, une visite technique du lieu. D'accord? La visite technique, il faut aller chez le client, il faut inspecter l'endroit là où on doit poser les panneaux. On va poser les panneaux. Inspectez l'endroit là où vous allez installer l'onduleur ou les régulateurs de charge ou les batteries. D'accord? Il faut prendre en considération que les batteries, normalement, il faut éviter de les installer à l'intérieur de la maison. Les batteries, selon leur type, parfois, ils dégagent des gaz qui sont un peu nocifs. L'onduleur lui-même, alors, il est ventilé. Il fait des ventilateurs qui produisent un certain type de bruit. Qui dit, mais le client est dérangé. D'accord? Donc, il vaut mieux effectuer la visite technique ou en effectuant la visite technique, le choix de l'endroit de pose des panneaux photovoltaïques, le choix de l'endroit de pose de l'onduleur, le câblage fine rayée 12 ou qui fait rayée 12, le régulateur de charge ou les batteries fine rayée 12. Donc, il y a un cool là, l'installation. La première des choses à vérifier, là où poser les modules photovoltaïques. D'accord? Ou est-ce que si l'un de l'autre, tout simplement, un de l'autre, il faut qu'on ait un autre, libre, on va dire, les modules photovoltaïques. C'est un exemple, il y a une installation off-grid, libre, on a un firma, donc un de libre, horizontal. Ou le nombre de panneaux clés, donc de panneaux orientés en qui m'abritent, inclinés en qui m'abritent, mais qui est le mouchkil. Ou le kin, maintenant, il y a des clients qui sont en train le dos. Ou le kin, une installation hybride, il fait les batteries, mais pas je vais rester, mais le dos d'il. Excusez-moi, parfois je bascule vers l'arabe, alors qu'il y a parmi nous un participant qui ne comprend pas l'arabe. C'est automatique, donc je ne contrôle pas l'option. C'est un client, il avait besoin d'une installation hybride. Il a l'accès au réseau électrique, au NE, ou il ne veut plus l'utiliser. Il veut plus payer les factures. Donc, il veut être autonome. On avait fait l'inspection des lieux et on a trouvé que la toiture de la maison, c'est une maison qui est bâtie en bois.
elle va pas supporter le poids des 24 panneaux de 400 watts. Chaque panneau fait 24 kg. Donc c'est lourd. Donc on s'est mis d'accord avec le client. Il s'agit d'un client ingénieur en génie civil. Donc il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il demande. Donc on s'est mis d'accord de les installer sur un petit parking. On s'est mis d'accord aussi de renforcer avec la toiture le parking avec des barres en acier en hache de 120 mm pour la renforcer. La pose des modules photovoltaïques sur avec la toiture. Quelle est une autre contrainte? La toiture, 24 panneaux, je orienté sud. L'orientation sud, d'accord. Donc, on les a installés en sud-ouest. D'accord. C'est une contrainte qui nous a été imposée par le lieu de l'installation. On ne peut pas faire mieux. D'accord. C'est pour ça que la visite technique ou la visite des lieux avant l'installation est très importante. Un client qui a déjà une toiture inclinée, le client est orienté sud. Donc, la pose des panneaux est très facile, ou même la structure de pose, mais c'est la même inclinaison de l'auto. Il n'y aura pas une grande différence. L'orientation est déjà orientée sud. Donc, c'est avantageux. Avec chez Nes, il prétend installer l'énergie solaire. Il vaut mieux la société de l'énergie solaire. Il fait une petite consultation. Voici le plan, comment il faut s'il y a des modifications à faire pour faciliter une installation éventuelle, une installation solaire éventuelle. Mais normalement, les bâtiments qui respectent un certain nombre de recommandations écologiques, voilà, il faut déjà prévoir l'orientation sud de la toiture, le bâtiment. Il est qu'un trait qu'on fait une inclinaison, il vaut mieux l'inclinaison qu'il soit incliné vers le sud. Donc, qui connaît des conduites, les dégaines, mais bien la toiture, mais bien le local technique, ça facilite le passage des câbles. Mais si j'ai la société de l'énergie solaire, il doit le câble. Donc, il a le lieu de l'installation, les respecte. Au moment de la visite technique, quand des solutions concernant la pose des modules photovoltaïques, le passage des câbles, c'est vraiment important, mais de voir par esthétique, qu'on a protégé surtout les chocs mécaniques qui nous allons chez tous les chez ton mobile ou les chez la protection contre les chèmes ou les chèmes intégrer les câbles. Il y a des câbles standards. Si vous allez utiliser des câbles solaires qui respectent les normes, là, ils sont protégés contre l'UV, contre l'ozone ou la propagation de la flamme. Donc, les chèmes avant chauffe. Alors, qui est aussi d'art, finalement, dès l'onduleur, finalement, dès les batteries, qui a des contraintes à satisfaire, même que je te donne aléatoire, même que je te donne de l'onduleur bizarre, elle a les batteries, d'accord, qui a des limites à respecter. Il a dit qu'il connaît les panneaux photovoltaïques, le régulateur de charge, il faut bien calculer la section des câbles à utiliser, c'est pas aléatoire. Donc, Hatchi qui ben lors de la visite technique. D'ici la visite technique, j'ai dit que ça le choix de la structure de pose. Je n'ai la structure de pose, c'est la structure métallique sur laquelle on pose les modules photovoltaïques. Et normalement, vous avez le choix entre trois types de structures métalliques, qu'il soit les structures en aluminium, les structures en fer ou les structures en acier galvanisé. Et donc, les moyens utilisés pour fixer les panneaux, le monde entier.
D'accord, mais c'est rare que tu des installations, les panneaux photovoltaïques qui sont installés sur du bois. C'est faisable. Est-ce qu'on a un client, ou une société, ou une installation, est-ce qu'on sous forme d'une ombrière, de la chimche, de l'automobile, qui est la structure de la chimche, c'est esthétique, c'est faisable. Mais qu'est-ce qu'on a une installation classique standard, les installateurs qui font soit de l'aluminium ou le hadid ou l'acier galvanisé. Donc, en tant que société qui fait les installations, on travaille la plupart du temps avec l'acier galvanisé. Bon. Il y a certains types d'installations qui font le fer. D'accord? C'est surtout pour optimiser le coût. Il y a qu'une installation qui est. Deuxième point, ou la deuxième cause, pour la sécurité. Il y a qu'un panneau qui risque de se placer galvanisé, on fait la fixation avec les clamps. Et j'ai choisi un support clé à l'aide et peut démonter les panneaux et déron. Il est un endroit où je suis surveillé. Il y a des techniques qui sont un petit peu de fer pour verrouiller les panneaux. Mais il peut sauf s'il va utiliser une meule puissante sur l'accès de l'électricité déjà dans l'endroit où il y a des panneaux. Il sera les panneaux. Donc, que sécuriser les panneaux, il est très difficile de le voler. Nous jouons l'aluminium. Donc, l'aluminium, normalement, le prix d'IELO, je ne peux pas vous indiquer quel est le plus cher. Est-ce que c'est l'aluminium ou bien l'acier galvanisé? C'est à peu près le même prix. Qui est vraiment très bien, l'acier galvanisé, bien sûr, l'acier galvanisé, en même temps, les clamps de fixation des panneaux. Ma chère, l'acier galvanisé, ou le standard de fixation des panneaux avec des clamps en aluminium, ou tous les accessoires, comme les barres de l'acier galvanisé, des pièces de jumelage et tout ça. Qui est très réel. L'aluminium, tu vois, très bien, le même prix. Très bien. D'accord? Le moins cher, il a un droit de valeur. Le moins cher, où est le fer? Où est le hadith? Jib le hadith, tu le soudes. Vous le soudez avec un poste de soudure. Et bien sûr, vous allez le peindre avec de la peinture anti-rouille. Il coûte beaucoup moins cher que l'acier galvanisé. L'aluminium, je me les avantages d'Yellow. Il est léger, il est très léger. Le transport d'Yellow, les ânes, d'Yellow, c'est très léger. Il est facile à manier. Donc, vous pouvez le couper facilement. Il est facile à être coupé, à être percé aussi. Lorsque vous allez utiliser l'aluminium, automatiquement, vous allez travailler avec des moulons, de la boulonnerie, pour fixer les panneaux avec les barres, les corners de l'aluminium, ce qu'on appelle les corners parce qu'ils ont une forme comme ça, un angle droit. Les corners de l'aluminium, vous allez les percer et vous allez fixer les panneaux avec des boulons. Il est quand même une petite installation, 8 panneaux, 12 panneaux, jusqu'à 20 panneaux au maximum, mais chez Mouchkil, vous pouvez utiliser l'aluminium. C'est pénible, ça demande beaucoup de travail. Ou alors, si vous voulez optimiser le poids, à mon avis. Mais si vous voulez gagner beaucoup de temps sur l'installation, vous allez opter pour l'acier galvanisé. Là, les barres de l'acier galvanisé à chevaux qui sont déjà percées. Déjà, avec des pièces qui sont bien, qui sont bien, qui sont. Donc, la rapidité, c'est l'acier galvanisé. La robustesse aussi, c'est l'acier galvanisé, parce que c'est de l'acier, il a une forme en U, comme ça, donc il est très robuste, il ne risque pas de se courber.
facilement. Le risque de la casse, il est très rare. D'accord, si vous choisissez bien sûr les bonnes dimensions et vous dimensionnez bien votre structure, donc il n'y aura pas de problème concernant la robustesse. L'aluminium, mais là c'est galvanisé, il n'y a pas de risque de la rouille. D'accord. Par contre, le fer, si vous êtes un bon soudeur, donc la robustesse, il n'y aura pas de problème. Mais si vous ne savez pas très bien ce que vous faites, vous risquez de mettre en place une installation fragile. Ça peut gérer ou le chien à ses fois le chien à jour, donc la soudure ne tchèrse. Ouais, qu'il y a le risque de la rouille. Même si on a fait la peinture en rouille, ou alors qu'il se brûle. On a dit qu'il se doit être tchèrse. Ça va être un peu de la chérie, on l'a facilement. Mais quand même, qu'il y a fait le blé, chez blé, ça, tu me sais bien, ou alors, avec le temps, 5 ans, là, tu as eu le sbarra. Donc, fais chouiller de la maintenance. Alors, à mon avis, le meilleur choix, c'est l'acier galvanisé. Le standard, les barres de l'acier galvanisé déjà percées, les pièces de jumelage de l'homme, les clamps de fixation, c'est la meilleure solution. C'est la plus rapide que l'installation. Donc, et qui dit temps dit argent. Si vous gagnez en temps, là, vous êtes en train de gagner en argent. Un autre point auquel il faut aussi faire attention lors de la visite technique, est-ce que l'aide de la maison, l'aide du local là où vous allez mettre en place votre installation solaire, est-ce qu'il y a un tableau électrique, un tableau de distribution électrique d'électricité? S'il existe, c'est très bien. Ça va vous faciliter la tâche. Et qu'est-ce qu'on a une entrée? Normalement, Hadi, le qui derrière le SSN, il va se brancher au réseau. Mais le réseau ne change pas. Ou le reste des appareils le ils sont distribués faire le tableau. Donc, tout le les disjoncteurs, l'installation déjà existante. Donc, lorsque vous voulez mettre en place l'installation et brancher venduleur, vous allez tout simplement tirer les deux fils d'entrée principale du tableau électrique et vous allez les brancher avec la sortie, pardon, avec la sortie de l'onduleur. Et comme ça, vous allez alimenter toute la maison. Mais s'il n'y a pas un tableau électrique, vous pouvez rajouter un disjoncteur AC pour protéger la sortie de l'onduleur. Et vous allez bien sûr installer une prise femelle, une prise de sortie. Et il peut l'utiliser pour brancher la longe ou l'appareil qui veut alimenter. D'accord? Mais lorsque vous allez déjà inspecter les lieux et trouver le tableau électrique, il faut se mettre en tête que votre onduleur va être branché avec le tableau électrique. Donc, comment faire passer le câble entre l'onduleur et le tableau électrique? Est-ce que l'onduleur va être installé près du tableau électrique? C'est bien. Comme ça, vous allez gagner en câblage. Vous n'allez pas utiliser beaucoup de câbles électriques. Mais s'il va être installé loin du tableau électrique, vous allez faire le passage d'une façon esthétique? D'accord? Sans déranger d'autres dispositifs qui sont présents dans la maison ou là, normalement. Donc il faut faire attention à ce genre de contraintes avant d'entamer l'installation. On va passer maintenant la pose des modules photovoltaïques. Mais avant de parler de la pose des modules photovoltaïques, il faut avoir quand même un certain nombre de notions sur la trajectoire du soleil, le rayonnement solaire, les types du rayonnement solaire, l'ombrage et beaucoup d'informations auxquelles il faut faire attention ou là il faut les avoir en tête pour pouvoir choisir un bon endroit pour les modules photovoltaïques. On va commencer avec le rayonnement solaire. Le rayonnement solaire qui est la source
qui va alimenter vos modules photovoltaïques, qui va les permettre de produire de l'énergie. C'est la lumière qui provient du soleil. Cette lumière, normalement, qui va éclaircir le module photovoltaïque, elle peut être sous trois formes. Soit c'est un rayonnement direct qui est arrivé directement à partir du soleil vers le module photovoltaïque, c'est ce qu'on appelle un rayonnement direct. D'accord? C'est soit un rayonnement diffus. C'est quoi le rayonnement diffus? C'est un rayonnement qui a été diffusé par les nuages et l'atmosphère. Normalement, le rayonnement solaire, lorsqu'il passe à travers l'atmosphère, les nuages, la vapeur d'eau, donc il se diffuse. Donc, il se diffuse dans différentes directions. Une partie, elle est acheminée vers le module photovoltaïque que vous avez installé. Et ne négligez pas le rayonnement diffus. Parfois, il représente jusqu'à 50% du rayonnement global. Et le rayonnement global, c'est la somme du rayonnement direct plus le rayonnement diffus plus le rayonnement réfléchi. La somme des trois. Le rayonnement réfléchi, c'est le rayonnement qui est réfléchi par des surfaces réfléchissantes. L'eau. Ou là, un mur qui est peint en blanc chez réfléchissante, on doit faire le rayonnement, on rejette le module photovoltaïque, donc qui est le réfléchi, qui est direct ou qui est diffus. Au rayonnement global, voilà l'ensemble des trois. Vous voyez, le module photovoltaïque. D'accord? Le module photovoltaïque, mais je les capteurs thermiques. Les capteurs thermiques, les canstables pour le chauffage de l'eau sanitaire. Et donc, il n'exploite que le rayonnement direct. Diffus ou le réfléchi ne contribue pas vraiment à la production de la chaleur. Donc, le rayonnement direct, c'est lui qui est utilisé pour la production. Par contre, le photovoltaïque, non. Le photovoltaïque, on exploite même le rayonnement diffus et le rayonnement réfléchi. Alors, en résumé, le rayonnement solaire total ou la globale, il est composé de trois composants. Les radiations directes provenant directement du Soleil, les radiations diffuses qui passent à travers l'atmosphère et les nuages. Donc, je vous ai dit qu'il peut atteindre jusqu'à 50% du rayonnement global, ça dépend des conditions climatiques. Les radiations réfléchies par le sol ou là par une surface qui est peinte en blanc. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi l'albédo. Parfois, le rayonnement réfléchi, on l'appelle l'albédo. Et le rayonnement global, c'est la somme des trois composantes. Donc, en un lieu donné, dans un lieu donné, là où vous allez mettre probablement une installation solaire, le soleil, on le repère par deux angles. On peut repérer le soleil par deux angles. L'élévation est représentée en A, c'est la hauteur du soleil. Ou l'azimut. L'azimut, c'est l'orientation. Ce qu'on représente avec G ici. Donc l'azimut, c'est l'angle qui varie entre l'est et l'ouest. Et la hauteur, c'est l'angle qui varie entre l'horizontale et le plus haut point qui va être atteint par le soleil à midi horaire, à midi solaire, chez midi horaire. D'accord? Donc, on met les deux angles avec lesquels on représente la position du soleil, l'azimut et la hauteur du soleil, ou là, ce qu'on appelle l'élévation. L'azimut varie entre est et ouest, et la hauteur du soleil varie entre l'horizontale et le point le plus haut qui peut être atteint par le soleil lors de midi. Donc, la trajectoire du soleil, ou l'irradiation solaire qu'on reçoit, il est impacté par plusieurs paramètres, par plusieurs facteurs.
L'un de ces facteurs, ce sont les saisons. Il faut faire. Donc, Saif, Khrif, Chta, chaque saison a les caractéristiques, bien sûr, les effets liés sur la trajectoire solaire. Par exemple, l'hiver, la saison, qu'est-ce qu'on fera la journée la plus courte de l'année. Donc, la trajectoire du soleil, il est très courte. Donc, l'angle d'azimut, il est bien borné. Donc, الشمس كتبان حتى كتوصل هنا عاد كتطلع لينا مي كتوصل ميدي لونغل لا هوتور دو سولي il n'est pas très très importante elle est petite de valeur ou il se couche dans un endroit qui n'est pas très long d'accord donc la trajectoire du soleil elle est minime. C'est pour ça que la durée du jour il est réduite, ou la durée de la nuit il est très importante. D'ailleurs, le 21 décembre, pardon, le 21 décembre, c'est la journée la plus courte de l'année. Et c'est la nuit la plus longue de l'année. D'accord? Alors que l'été, pardon, je fais l'été, ouais, l'été. Elle a la trajectoire la plus longue de l'année. Donc, l'angle de l'azimut, il est très large. Le soleil, il s'élève plus loin que l'est et il se couche plus loin que l'ouest. Le 21 juin, c'est la journée la plus longue de l'année. Le soleil atteint le point le plus haut à midi. Durant toute l'année. D'accord? Les représentations sont des représentations d'un pays européen, la France. Mais nous, au Maghreb, la hauteur du soleil est beaucoup plus importante. Alors, c'est tu commences là, chez 80 degrés. Mais là, 80 degrés. Il n'y a pas de carrément vertical. صيف سا ديبون دي لي فيل عاوتاني هات المغرب جا على الطول دونك فيه بزاف ديال الخطوط ديال العرض مثلا في الداخلة مثلا ولا هذا تقدر تلقاهم كيوصل عندهم حتى ل 90 دوغري في سميتو في الصيف كتولي فريمون الشمس فيرتيكال في طنجة غادي تلقاها كتوصل في الصيف لواحد 80 دوغري باغ اكزومبل دونك في البرينتون او في لوتون كيكون لا دوري ديال لا نوي ايغال لا دوري ديال لو جور دونك اكزاكتومون عندنا قد لا نوي قد لو جور قد لا نوي لا هوتور دو سولي اي موان داكور il s'élève à l'est il se couche au ouest. Donc, la trajectoire du soleil qui varie en fonction des saisons, elle impacte la production. Si vous avez une journée de 14 heures, ce n'est pas la même chose que si vous avez une journée de 8 heures. D'accord? Donc, la production photovoltaïque durant 14 heures, mais chez la production photovoltaïque durant 8 heures. Donc, il faut le prendre en considération lorsque vous voulez dimensionner. Il faut prendre en considération le cas le plus défavorable. Vous pouvez dimensionner votre installation en se basant sur les données, par exemple, de l'été, ou du printemps. Vous allez choisir un certain nombre de modules photovoltaïques, une certaine capacité des batteries. Durant l'hiver, c'est autre chose. Vos panneaux ne vont pas produire la même chose. Dans ce cas, vous risquez d'installer pour le client une installation sous-dimensionnée. Et durant l'hiver, chez la majorité des installations, même si on les installations, l'hiver, les installations off-grid qui confirment les échecs. لأنه أنت ما تقدرش دير اون انستالاسيون
très surdimensionné, le client, ça va lui coûter très cher. Ma donc, le maximum le budget d'IELOA, vous installez, ça arrive durant l'hiver, 3 jours de nuages successifs, 4 jours de nuages successifs et de pluie. Par quoi les batteries vont être chargées? Donc, automatiquement, les batteries se déchargent et l'installation s'arrête. Parce qu'il n'a pas accès au réseau, mais il y a un groupe électrogène. Donc, l'énergie solaire off-grid, c'est fragile comme installation. Qui va nous faire rio, surtout durant l'hiver. Toujours en expliquant l'impact des saisons sur la production photovoltaïque, le schéma, il vous illustre la trajectoire solaire durant le 21 décembre, la journée la plus courte, et durant le 21 juin, la journée la plus longue. Imaginez-vous que vous êtes ici et vous regardez vers le sud. Donc vous regardez le soleil qui est en train de se lever à partir de l'est et se coucher à l'ouest. Mais cet endroit, il varie en fonction des saisons. Durant l'été, donc l'angle va être le plus large. Durant l'hiver, c'est l'angle le plus étroit. Et bien sûr, le printemps et l'automne, c'est la moyenne entre les deux. C'est un autre schéma qui vous indique l'azimut et l'élévation, le soleil selon les saisons. Il y a décembre ou décembre, le soleil est là, qui est aussi l'élévation de l'eau, n'a le degré. Ou l'azimut, qui est entre moins 45 et plus 45. Alors que durant l'été, l'azimut qui compte entre moins 135 et plus 135, et l'élévation du soleil est aussi à 60 degrés. D'accord? L'ombrage, le calcul des l'espace, la distance entre les rangées des modules photovoltaïques. Nous savons que la Terre, c'est la plus valeur que tu as durant l'hiver. Nous savons que la plus qui est le plus grand ombre produit par une rangée de modules photovoltaïques, bien sûr, durant l'hiver, qui est le cas le plus défavorable. D'autres illustrations qui démontrent l'impact des saisons sur la production photovoltaïque. Elle a fait le schéma, elle a une journée, elle a un jour d'hiver ordinaire, partiel, assez couvert. Elle a fait 5 sous, mais elle a fait le rayonnement du Kimzef, elle a rien. Il y a beaucoup de nuages, donc on a 75% de rayonnement diffus. Ou le reste, c'est du rayonnement direct. D'accord? Elle est la journée, même 0 h à 18 h. Ou l'irradiation solaire en watts par mètre carré. L'irradiation reçue par le soleil en watts par mètre carré. Donc, durant l'hiver, on voit que la valeur maximale, le rayonnement direct, il y a 300. 310 watts par mètre carré. Le rayonnement diffus est là qui atteint 150 watts par mètre carré. D'accord? Donc, chaque mètre carré, il ne peut produire que 1,5 kWh par jour. C'est l'énergie. Chaque mètre carré, il ne peut produire que 1,5 kWh par jour. Maintenant, c'est quand même environ 10 heures de soleil. Alors, nous chauffons une journée d'hiver, une journée d'été. Le rayonnement direct, 700 watts par mètre carré.
le rayonnement des fûts clés, il n'y a rien. 300 watts par mètre carré. D'accord. Quand nous avons 6,5 kWh par mètre carré par jour. La différence, elle est énorme. Chaque mètre carré peut produire 6,5 kWh. Alors que l'hiver, elle a 1,5 kWh. Maintenant, la puissance max, 700 watts par mètre carré. Maintenant, la puissance max, 300 watts par 330 watts par mètre carré. Il y a un autre facteur qui influe sur la production photovoltaïque, c'est les conditions météorologiques. Ça veut dire que, mais qu'il y a les saisons, même durant une journée de l'été ou le printemps, l'effet des nuages et le brouillard, alors il impacte la production photovoltaïque. Et là, sur ce diagramme, quand je vous les radiations en watts par mètre carré, durant une journée nuageuse et durant une journée claire. Donc, une journée claire, les mécaniques font rien, les radiations solaires, on se l'a dit, 480 watts par mètre carré. Et la saison, يعني مثلا هادو دو جو هادو دو جورني اللي مفوتين بنهار ولا بيومين ماشي بزاف يعني في لا ميم سيزون عندنا اون جورني نياجوز والله كنوصلو فيها 200 واط بار متر كوب دونك لامباكت ديال لي نياج و لي كونديسيون ميتيورولوجيك راه هي تري امبورطون اوسي في لا برودكسيون ديال لينيرجي سولير. Qui aussi l'inclinaison du soleil par rapport à la surface des modules photovoltaïques, ça joue un rôle. Elle dit que l'inclinaison, c'est ce qu'on appelle la position relative du soleil, ou là, l'épaisseur de l'atmosphère traversée. Les conditions standards. On avait dit que pour les conditions standards, sous lesquels on mesure la puissance crête du module photovoltaïque, on utilise un Hermas de 1,5, Hermas 1,5, qui représente un angle d'inclinaison de 42 degrés. Lors de, fais-je connaître un endroit, les conditions standards. Les conditions standards, on a 25 degrés Celsius température de la cellule, air mass 1,5, l'irradiation 1000 watts par mètre carré. D'accord, donc les conditions standards. Ou head air mass 1,5, ou que la source de lumière est inclinée avec un angle de 42 degrés. Air mass 1, le rayonnement solaire il est perpendiculaire à la surface. Il dit R masse 1. R masse 2, le rayonnement solaire il est incliné avec un angle de 30 degrés. D'après vous, pourquoi l'inclinaison du soleil joue un rôle sur la production photovoltaïque ou influe sur l'énergie produite. Pourquoi? Qu'est-ce qui change lorsque le soleil est vertical ou si le soleil est incliné d'un angle de 42? Je pense bien que c'est les rayonnements. Le champ les rayons lumineux. Mais c'est ce que je me disais. Le champ des les rayons lumineux. Pelage, c'est le nectar. Normalement, il est quand même perpendiculaire à les panneaux normalement. M'a dit je compte le rendement. Normalement, qu'ils sont inclinés. ما انت شوف دابا ايماجيني معايا ان هنا البانو ناعسين، حنا دايرينهم كاع ناعسين في الارض هلاك، وكنشوفوا لو كان للشمس بيربونديكولير
هكا عليهم، ولا لو كان للشمس هنايا بحال دابا لي بانو فيكس هوريزونتال، وحنا اون تريت دو كا شمش انكليني افيك ان انجل الفا، شمش بيربونديكولير. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Alors, je peux vous dire que ça va produire moins ou ça va produire plus. حاولوا تفكروا شوية، سيرتو شوفوا هاد ليماج هادي، هادي تقدر تبان لكم فيها ليدي، علاش هنا علاش هاد التراجيكتوار خير من هادي. بون لا ريبونس شنو هي؟ هو انه لو غيونمون سولير ملي كيدوز في هاد لا ديستونس هادي، هاد ليبيسور دو لاتموسفير، كيضعف واحد شويه، لان لاتموسفير شي حاجه سي كيلكو شوز كي اتينيو لي غادياسيون، سي نورمال اون غادياسيون كي باس اترافير ان اوبستاكل اللي هو لاتموسفير اللي هو ساتينيو، ولكن lorsqu'elle passe avec à travers la trajectoire qui est beaucoup plus longue, il va s'atténuer davantage. Il va parcourir toute cette distance pour arriver à ce point. Donc, il va s'atténuer encore plus. Donc, plus l'air masse est important, plus vous allez perdre en irradiation. D'accord? Et l'air masse, normalement, c'est le schéma, c'est le point O, d'Yemna. Donc, c'est l'air masse, c'est égal à OB sur OA, la distance OB, la position du soleil actuelle, sur OA, il y a la distance la plus courte, il y a la hauteur de l'atmosphère. Donc, c'est 1 sur sinus alpha, alpha. C'est 1 sur sinus alpha. Mais on a l'arabie, les standards, les kénin, les radis de la documentation, radis de la هادو اير ماس زيرو، يعني اير ماس زيرو هي او دو اون دور دو لاتموسفير، شي حاجه اللي كاينه في الفضاء الخارجي كنعتبروا اير ماس زيرو. ام ان الا كانت الشمس فيرتيكال ام 1.5 42 دوغري و ام 2 30 دوغري، هادشي اللي كاين لي كونديسيون ستوندار، راه كنخدموا ب ام 1.5. دونك شفنا كاع هاد الامور كاملين سور لا تراجيكتوار دو سولي، لامباكت ديال لي سيزون، لامباكت دي كونديسيون ميتيورولوجيك. كيبقى دابا فو فو زيت ديبلاسي بوغ انستالي فو موديول فوتوفولتايك شي لو كليون، كومون فو زالي لي زوريونتي؟ واش غادي تاورينتيهم فير لو نور، فير لو سود، فير ليست، ولا فير لويست؟ يعني شنو هو الاتجاه اللي غادي دير لي بانو ديالك كيشوفو فيه d'après vous؟ Il faut orienter les panneaux vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Donc, c'est quoi la position la plus adéquate? Vers le vers sud. Vers le sud. Vers le sud, et parce que les panneaux sont en face du rayon solaire. Exactement, parce que les panneaux vont être en face du rayonnement solaire durant toute la journée. Comme ce bonhomme-là, il est en train de regarder le sud, donc il peut voir le soleil à partir de son lever jusqu'à son coucher. Par exemple, si on oriente les panneaux vers l'est,
ils vont être irradiés par le soleil durant la matinée, mais dès midi, donc le soleil, il va être perpendiculaire au panneau. Donc le panneau ne sera plus radié. À partir de midi, donc il n'y a plus de lumière qui va illuminer le panneau solaire. Donc vous n'aurez plus de production après-midi. D'accord? La même chose, si vous orientez votre panneau vers l'ouest, il va produire à partir de midi jusqu'au coucher du soleil. Mais avant ça, il ne pourra pas produire. Par contre, si vous l'orientez sud, il peut produire durant toute la journée. Bien sûr, la production durant le matin et l'après-midi n'est pas très importante. Il va vous donner le maximum à midi. Tout ça, c'est valable en hémisphère nord. En hémisphère sud, donc par exemple en Afrique du Sud, voilà, il faut orienter vers le nord. L'orientation l'orientation qui est orientée vers le soleil, c'est le nord. Donc si vous êtes en hémisphère nord, donc vous allez orienter vers le sud. Si vous êtes en hémisphère sud, vous allez orienter vers le nord. Bien sûr, le Maroc est en hémisphère nord, donc il faut orienter vers le sud. Alors, comment déterminer le sud? Lorsque vous allez partir chez le client pour installer, comment on va déterminer le sud? C'est en utilisant la boussole. La boussole. Et si vous avez un smartphone, vous pouvez installer une application sur votre smartphone, par le Super Compass ou une autre application, qui vous indique tout simplement le sud là où il est. Vous allez tout simplement lancer l'application. Il faut éviter que votre smartphone soit près d'une surface métallique. Ça ne va pas fonctionner. Il faut qu'il soit en l'air. Ma tahtouch ala chi hdida ou la chi haja dial métal, ma katkhdemch la boussole. Stbaledou ala les métaux. D'accord? Vous allez le tenir en votre main et on va vous indiquer l'orientation. Si vous préférez utiliser une vraie boussole, comme celle utilisée par les navigateurs ou les aventuriers, donc vous pouvez l'acheter et travailler avec une boussole. N'imaginez pas qu'elle donne plus de précision que le smartphone. Elle aussi, il est un peu difficile à manier. Mais ce que j'utilise personnellement, c'est l'application sur le smartphone. Et si vous n'avez pas de boussole, il y a deux autres moyens pour déterminer le sud. Donc, un moyen un peu archaïque, donc vous allez poser un bâton à la verticale. Vous allez tracer l'ombre avec le bâton. Vous allez fixer le point là où se termine l'ombre, dit le bâton. Vous allez laisser du temps, 30 minutes ou là 45 minutes. Donc l'ombre, il va bouger. Vous aurez une autre orientation de l'ombre. Vous allez tracer un deuxième point à la fin de l'ombre. Vous allez relier les deux points par une droite. La perpendiculaire à cette droite qui passe à travers le bâton, elle vous indique le sud. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, si vous êtes en ville et qu'il y a des paraboles, des antennes paraboliques qui captent le signal satellite, la majorité des paraboles au Maroc, ils sont orientés vers Nilesat. Le satellite Nilesat. Et Nilesat, normalement, c'est l'orientation sud, c'est le plein sud. Donc, si vous êtes près d'une parabole et que cette parabole est orientée vers Nilesat, automatiquement, soyez sûr que si vous orientez la même chose que cette parabole, vous êtes en train d'orienter vers le sud. L'inclinaison optimale. D'abord, on a choisi l'orientation. On s'est mis d'accord sur une orientation sud. Alors maintenant, avec quel angle il faut incliner vos panneaux? Vous les mettez à l'horizontale,
vous les mettez à la verticale, vous les inclinez à 45 degrés, à 30 degrés. Quelle est l'orientation optimale d'après vous? Non, 45, entre 30 et 45. Entre 30 et 45. Ça dépend de quoi? Zama, wesh, c'est valable pour tous les endroits ou là, ça dépend de l'emplacement. De l'emplacement, bien sûr. Exactement, ça dépend de l'emplacement. Les nakenti Rabat, si vous allez installer à Rabat, c'est pas la même chose que si vous allez installer à Tanger ou là, à Dakhla. D'accord. Donc, on compare d'abord les différentes valeurs. Des mesures qui ont été prises une ville française de la production. La courbe en bleu, elle dit, ça représente 0 degré. Ça veut dire quoi un panneau incliné à 0 degré ou un panneau horizontal? Neuf. Un panneau incliné à 80 degrés, 90 degrés, c'est un panneau à la verticale. Voilà. D'accord. Ok, l'orientation 30 degrés, l'inclinaison 30 degrés ou l'inclinaison 60 degrés. On va les représenter, faites le diagramme. Donc, je vous mets les mécanismes à l'horizontale 0 degré, sauf qui atteint le maximum. Les mois, janvier, février, mars, avril, mai, et ainsi de suite jusqu'à décembre. En juin, le mois 6, donc il va vous donner le maximum de puissance. C'est la meilleure inclinaison qui est favorable durant l'été. Il y a 0 degré. Voilà qu'il durant l'hiver, durant janvier et décembre, il va vous produire le minimum en comparaison avec les autres inclinaisons. D'accord? Un chauffe-eau l'orientation 60 degrés, la courbe qui est en vert. Donc, c'est la courbe 60 degrés. Il vous donne une bonne production l'hiver. Une bonne production l'hiver. L'été, mais chez Yelmzian. Donc, il y a le Khaïbaga, il y a les Khaïbaga, il y a l'orientation librement. Il y a 90 degrés, il y a des panneaux. Il y a des panneaux, mais il y a des panneaux. Il y a des panneaux. Il y a des panneaux. Donc, il est très déconseillé d'installer les panneaux à la verticale. Ils ne produisent bien ni durant l'été ni durant l'hiver. Je vous 30 degrés. 30 degrés, c'est la courbe qui est en rouge. Donc, en hiver, ça va, elle est moyenne. Et en été, elle est bonne. D'accord? C'est pour ça que normalement, l'inclinaison optimale pour le Maroc, c'est 30 degrés. Elle est 30 degrés parce que la latitude du Maroc, je crois que j'ai enchaîné. Donc, voilà. Le Maroc, ouais, non? La latitude qui passe à travers le Maroc, c'est la Lune 30 degrés. Donc, si vous inclinez à 30 degrés, vous êtes en train de choisir une orientation qui est optimale pour l'ensemble de l'année. Ça donne une bonne valeur durant l'été et une valeur acceptable durant l'hiver. Si vous êtes en Espagne, il faut incliner avec quel angle? 20 degrés. Mal chétan. Je vous fais des 40 limites. degrés. 40 degrés. 40 degrés. Il faut toujours choisir la même latitude que le pays. En Espagne, la latitude elle est de 40 degrés. Il faut incliner avec 40 degrés. Si vous êtes en Angleterre, il faut incliner à 50 degrés. Pourquoi? Parce que le soleil, pour faciliter, pour vous illustrer, il est ici. D'accord? Donc, plus vous vous éloignez vers le nord, il faut incliner comme ça, dans ce sens, pour être face au soleil.
Est-ce que vous arrivez à comprendre? Oui. Si on est ici, dans ce pays-là, il faut incliner vers le nord à 20 degrés. D'accord? Et si vous éloignez dans ce sens, il faut incliner encore plus, 30, 40 et ainsi de suite. Donc l'inclinaison optimale, c'est quoi? C'est la latitude du pays. Et si vous voulez être précis, même au sein du Maroc, si vous allez installer à Tanger, vous allez incliner à 35 degrés ou à 36 degrés. C'est la latitude de Tanger. Si vous allez installer à Dakhla, vous allez incliner à 25 degrés. D'accord? C'est la latitude de la ville d'El Dakhla. Donc, l'inclinaison optimale égale la latitude du lieu. Et la latitude du lieu, comment vous pouvez l'obtenir? À partir des coordonnées GPS de votre téléphone. Donc, vous ouvrez l'application GPS, il va vous indiquer la longitude, la latitude et l'élévation. Trois coordonnées. La latitude, c'est les lignes de la latitude, comme ça. Ils ne nous intéressent pas. Ils n'ont aucune relation avec l'inclinaison des modules photovoltaïques. La longitude, ce sont les lignes comme ça. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Donc, elle est plus importante. Donc, lorsque vous relevez la latitude du lieu, vous allez incliner avec la même latitude que le lieu là où vous allez installer. Par exemple, à Rabat, on installe à 32 degrés. Le diagramme Hada, il vous indique 100% de production en bleu, en vert, c'est inférieur à 60% de production. Ça veut dire le meilleur cas, c'est le bleu, le pire des cas, c'est le vert. Le meilleur des cas, le bleu, qu'est-ce qu'il représente? Il représente un disque qui est situé à 0 degré, ça veut dire quoi? On oriente vers le sud. C'est le meilleur des cas. Et on incline entre 20 et 40 degrés. Si on incline entre 20 et 40 degrés et qu'on oriente vers le sud, on a 100% de rendement. Si vous sortez de ces valeurs, donc la production va baisser jusqu'à arriver à 60%. Donc, l'optimal, c'est l'orientation sud avec une inclinaison, dans ce cas, de 30 degrés. Parce qu'il s'agit d'un lieu avec une latitude de 30 degrés. Le site, je crois, ou le site qui génère le schéma. Donc, vous pouvez choisir le lieu que vous voulez. Et lui, il va vous dessiner le diagramme qui vous indique l'optimum de l'orientation et de l'inclinaison que vous pouvez choisir. Alors, si on n'oriente pas sud et si on n'incline pas à 30 degrés, est-ce que ça influence vraiment la production d'une façon dramatique? C'est une question à se poser. Il y a maintenant orienté nèche sud. Je m'en chie parce que ça pose vraiment un vrai problème de production. On va voir. Donc, si on incline à 30 degrés et on oriente sud, on a 100% de production. Il n'y a pas de perte. D'accord? C'est l'orientation et l'inclinaison optimale. Dès qu'on choisit une autre orientation, une autre inclinaison, nous avons des pertes. Si on oriente, par exemple, en sud-est, on perd 4%. Si on oriente en sud-ouest, on perd 4%. Si on oriente carrément vers l'est, on perd 10%. Si on oriente vers l'ouest, on perd 10%. Ça veut dire quoi, 10%? Je ne connais rien de 10%. 10% de la production énergétique annuelle. Il est quand de l'installation solaire annuellement, on va produire 5 000 kWh, c'est une énergie. Voilà, si vous orientez vers le sud-est,
vous allez perdre 4% de cette production annuelle. D'accord? Si vous inclinez à 0 degré, ça arrive. On est parti chez un client, il a exigé que les panneaux ne lui gênent pas, ne le gênent pas lors de leur pose sur le toit. Ma brache, les panneaux sont dérangés au stade. Mais je délouche l'espace. Donc il veut que le toit de sa maison reste libre. Donc on a opté pour des panneaux sous forme d'une ombrière horizontale. Dernièrement, le bhal draqa horizontal, aline, 2 mètres ou la plus que 2 mètres. D'accord? Horizontal, carrément horizontal, il n'y a pas d'inclinaison. Donc, il y a de la production annuelle. On a incliné à 0 degré. Il y a de la production annuelle. 7%. C'est bien le mien les mêmes. D'accord? ولكن خصكم تعرفوا واحد القضيه فاش كتاوريونت فاش كت لوسكو فوز انكليني لو بانو ا زيرو دوغري راه لورينتاسيون لا بلو اوكين فالور دونك ما كيبقى لا سود لا است لا ويست لا تحت صافي اي سون ا لوريزونتال اي سون ا لوريزونتال دونك فو بيردي 7%. داكور سي فوز فوز انكليني ا 60 دوغري فوز الي بيردر 9%. Ainsi de suite. Donc, vous avez le tableau, vous pouvez déterminer les pertes qui sont générées à cause d'une mauvaise orientation, d'une contrainte d'orientation exigée par le client. 90 degrés, c'est le pire des cas. Alors, je vois aucun cas là où vous devez installer à 90 degrés. Regardez que le solaire mural. اللي كيديروا في لي باتيمون شي عماره كبيره ولا فاصاد ديالها بغاو يديروا لها لي موديل فوتوفولتايك وي ديك الساعه دي ديرهم ا 90 دوغري ولكن لا برودكسيون كتكون ضعيفه دونك سي استيتيك ديال الزواق. Est-ce qu'il est possible d'installer là où la latitude est à 10 degrés, comme ça, d'incliner les panneaux à 30 degrés? Non, là où la latitude est de 10 degrés, il faut incliner les panneaux à 10 degrés. Si vous allez partir vers un pays, fini avec le Coran. Allez. Si vous allez partir à un pays qui existe ici, la latitude est de 10 degrés, il faut incliner à 10 degrés. D'ailleurs, j'ai vu des photos sur Internet qui sont publiées dans des pays à 0 degré. L'Afrique. Alors, il pose les panneaux horizontaux. Tout simplement. Il pose les panneaux horizontaux. Il n'y a pas d'inclinaison. Parce qu'ils sont proches de la zone de 0 degré. Ça ne sert à rien d'incliner les panneaux. Et par rapport au rendement annuel, alors, j'ai dit et par rapport au rendement annuel. Par rapport au rendement Le annuel rendement au annuel. Maroc. Vous parlez du Maroc. Non, pas du Maroc, là où la latitude est à 10 degrés. Oui, là où la latitude est de 0 degré, si vous inclinez à 0 degré, vous allez avoir 100% de rendement. Ah, d'accord, ouais. Parce que vous avez respecté la règle. Si vous inclinez, par exemple, à 30 degrés, là où la latitude est de 0 degré, vous allez perdre 7%. Voyez, c'est l'inverse. Il faut Oui, éviter j'ai pas. d'incliner là où la latitude est de 0 degré. Ouais, c'est bon. Alors maintenant, on va passer à un autre point. On a vu l'inclinaison, on a vu l'orientation. Maintenant, si vous allez installer plusieurs rangées de modules photovoltaïques, bzaf des modules photovoltaïques, alors, il faut respecter une distance entre rangées. Sinon, qu'est-ce que vous risquez de faire? Vous risquez de faire tomber l'ombre de ces panneaux-là sur ces panneaux-là. Et l'ombre, c'est le pire ennemi des modules photovoltaïques. Dès qu'ils sont ombrés, ils ne produisent rien. Donc, il faut quand même respecter une distance
minimale entre rangées pour éviter que l'ombre de la première rangée tombe sur l'ombre de la deuxième rangée. Donc, comment on calcule la distance, la distance entre axe CD plus B? C'est la distance D. C'est la distance B. Donc, D plus B égale à H. C'est quoi H? C'est la longueur du module photovoltaïque. Oh, il y a le module photovoltaïque. D'accord? Fois cosinus bêta. C'est quoi bêta? C'est l'angle d'inclinaison des panneaux photovoltaïques que vous avez choisi. Probablement 30 degrés. Plus sinus bêta sur tangente alpha. Et là, il y a tangente alpha, c'est là où réside le problème. Qu'est-ce que ça représente alpha? Ça représente l'angle le plus faible atteint par le soleil durant la journée la plus défavorable de l'année, liée le 21 décembre. Et c'est là, c'est le minimum de hauteur du soleil durant l'année, Kamla. Finkalkal. On le trouve où? Bien sûr, vous pouvez générer le schéma. Un des sites qui permettent de générer le schéma. Par exemple, fait de la ville, décembre. Décembre. Ouais. Quel est le soleil, son élévation, il atteint quel degré? 15 degrés. D'accord? 15 degrés. C'est la valeur la plus, à midi, à midi. C'est la valeur la plus faible atteinte par le soleil. Donc, Hedek, ou est le alpha? Hedek, ou est le alpha? C'est la hauteur minimale atteinte par le soleil durant la journée la plus défavorable de l'année. Le Maroc, c'est les environs de 16 degrés. Kataoulou, alpha, 16 degrés. D'autres pays, je ne sais pas. Il faut générer la carte avec le diagramme et déterminer l'angle vous-même. Donc, H, c'est la dimension du capteur. Alpha, c'est la hauteur solaire minimum, généralement prise le 21 décembre. Bêta, l'inclinaison des capteurs. Maintenant, faites l'exemple, on considère un capteur de 1,1 mètre de large. La distance entre les deux rangées est 1,2 fois cos 35. Les panneaux ils sont inclinés à 35 degrés fois sinus plus sinus 35 sur tangente 16. On a obtenu 3,38 mètres. Donc 3,38, c'est quoi? C'est D plus B. D'accord? Donc il faut s'éloigner du premier capteur avec une distance de 3,38 mètres. Qu'il y a un moyen plus simple pour calculer la distance entre axes. Donc, au lieu d'utiliser l'équation que je vous ai montrée, vous pouvez entrer sur ce site. Bien sûr, à part la suite, vous avez les diapos en PDF. Vous pouvez copier le lien. Ou je vous transmets maintenant même le site. Vous pouvez entrer sur le site. Vous pouvez le tester même maintenant si vous voulez. Et vous pouvez déterminer la distance entre axes. Donc, quelles sont les données que vous donnez au site? Vous donnez L, la longueur du capteur, l'angle d'inclinaison θ. Et l'emplacement. Donc, on va le tester ensemble. Theta collector angle desired degree. On va incliner à 30 degrés. L, la longueur du panneau solaire. On va dire que c'est un panneau solaire de 2 mètres. Donc, 2 mètres. Theta P, pitched roof degree. Si le toit, le toit lui-même est incliné.
Donc, normalement, c'est 0 degré. Regardez là, quand le toit incliné, vous allez indiquer le degré d'inclinaison du toit. Ou A, roof mounted. Normalement, A, هي بشحال عالي هاد لي بشحال عاليين هاد لي ستركتور دو بوز هاد لي اش كيتسمى لي ماسيف هاد لي ماسيف د السيما بشحال عاليين على لو طوا. الا كانوا ما عاليينش الا كانت عندهم ان ديمونسيون غتدخلها، الا كان لي بانو غيتحطوا ديريكتومون سور لو طوا دونك فوزالي مانتونيغ سا ا زيرو. ابديت دونك هنايا خرج لينا ولكن كتدخل اللوكيشن لاتيتود لا لاتيتود دي لو سي امبورطون. الا كنتي غتانستالي في اون فيل لاتيتود ديال 30 دوغي سي اون اونتري فو لانديكي. دونك اون اوبتوني اون ديستانس اونتر اونجي دو 1,3 متر. C'est la distance minimale entre deux rangées. 1,3 mètres. Donc, le site, il facilite le calcul. Donc, au lieu d'un extrajob l'équation, il clique vers les données NR, il vous calcule. Si, par exemple, qu'on a une ville, la latitude d'Yelha, mettons كتر نديرو مثلا 36 اون va incliner avec le même angle 36 هنايا ولات لا ديستانس entre rangées تقريبا 2 متر. كل ما طلعتي فيغ لو كل ما طلعتي فيغ لو بول نور في الكرة الأرضية بلوس vous éloignez de l'équateur vers le pôle nord qui est la longueur de l'ombre plus importante. Donc la distance entre rangée et tangée, mais il y a la distance entre rangée et tachlématine. D'accord? Donc est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, on va parler aussi de l'ombrage et des horizons. Voilà, je vous ai dit que l'ombrage voit l'ennemi le plus dangereux des modules photovoltaïques. Lorsque vous allez partir installer chez un client, il faut faire toujours attention à ce que les modules photovoltaïques ne soient jamais touchés par l'ombre des arbres, ou un mur, ou un bâtiment. D'ailleurs, quand on a un groupe WhatsApp, d'entraide. Donc, on partage avec les clients, avec d'autres collègues, des informations concernant l'énergie solaire. On a reçu aujourd'hui une question d'un client ou un problème chez un client voilà le poste voilà. Hadou, c'est une association, il s'agit d'une association qui a investi dans une installation solaire, IHNI, celle que vous êtes en train de voir, où ils ont un problème, il y a l'ombre, il y a un château, je pense, c'est un réservoir d'eau, dans l'eau qui est les modules photovoltaïques. Durant toute la journée. C'est une installation raccordée au réseau, mais la production. Il n'y aura pas coupure d'électricité parce que c'est une installation raccordée au réseau. Mais il y aura une grande influence sur la production. Il y a une grande amélioration de la facture énergétique. Mais il y a une vraie baisse.
دونك دابخي فو كيل لا سوليسيون بالنسبة لهاد لو كليون هذا؟ Enfin, à mon avis, ils ont choisi un mauvais endroit. Donc, il fallait éviter les modules photovoltaïques aslan à l'origine et de refaire la place. Parce qu'il n'y a pas de solution. Parce qu'il y a un moyen de dévier l'ombre. D'accord? Donc, les panneaux, les gens installés dans le ma chef, je viens de le château. Raquette à Hena, ou Hadou Jmeya, راه زعما ما غاديش يكون عندهم مشكل باش يلقاو ان اوتر اسباس اللي تحطوا فيه لي بانو هذا سيرتينمون هذا راه ما عرفتش غتكون اون انستالاسيون راكوردي او ريزو اللي صالحه للبومباج ديال ان فيلاج ولا شي حاجه اللي المنفعه ديال الناس كاملين دونك الا غادي يقولوا لهم راه نحطهم في بلاصه اخرى ما كنظنش غادي يكون عندهم غادي يكون عندهم مشكل مي الانستالاتور خصو يرد البال لهاد الامور قبل ما انستالي حيت دابا جا ما ديمونطاهم قدامهم في بلاصه اخرى خصو انفستيسمون ديال ما عليناش دونك il faut faire attention il faut faire attention à l'endroit de pose des modules photovoltaïques et surtout l'ombrage et les ondes. Donc, je n'ai pas l'ombrage. L'ombrage, c'est l'ombre qui peut être produite par des bâtiments. L'exemple qu'on vient de voir, par des arbres, par un grillage. Mais un grillage, les piliers de l'île peuvent produire de l'ombre. Par des réservoirs d'eau. Par les autres rangées. Donc, avec les rangées, l'ombrage de l'homme, il peut influencer les rangées qui sont derrière. Voici l'orientation sud. D'accord? Qu'il y ait l'ombrage. Ou qu'il y ait aussi les horizons. Alors, les horizons, c'est une autre histoire. Je nomme les horizons. On met donc les montagnes, par exemple, qui sont aux alentours de l'endroit de l'installation. Lorsque vous raisonnez un endroit plat, une terre agricole, une maison, un endroit plat, le problème ne se pose même pas. On a vu, on a vécu des expériences dans des installations, des villages au sein des montagnes, au milieu des montagnes, qui compte le village maintenant. On a de grandes montagnes. Elle est l'orientation ici. راه بارفوا كتلقى الشمس فوقاش كتبان في هاد لو فيلاج كتبان حتى ل 11 ديال النهار لو لوفي لو فري لوفي دو سولي ديريكت شيزو سي 11 دو ماتان اي لو كوشي دو سولي سي 15 او بيان 16 دونك ديجا لو سولي il va être caché par les montagnes. Le jour va continuer, bien sûr, jusqu'à coucher du soleil. À quel moment? Il y a un jour, mais qui n'est pas réellement direct. D'accord? Dans ce cas, il faut faire attention qu'il n'y a pas vraiment des horizons qui vont limiter la production solaire. Et s'il y en a, dans ce cas, l'ordre du dimensionnement, donc le nombre de ce qu'on appelle les heures d'ensoleillement, ça va, donc le problème va influencer le nombre d'heures d'ensoleillement. D'accord, on va chercher une chauffe la partie dimensionnement. Dimensionnement du système isolé. Voilà, donc, on est arrivé à la partie la plus importante, où est le choix, le nombre de modules photovoltaïques. Les nécessaires pour le client, le nombre des batteries, la puissance de l'onduleur, la puissance du régulateur de charge. Donc, aide les données aide au camion. Normalement, ils sont à calculer par une feuille de calcul et des équations avant de prendre décision.
Une installation off-grid, normalement, elle peut être sous la forme d'un kit. Ce sont des kits qu'on avait construits et vendus à des clients, qui ont un coffret métallique étanche, qui ont fait la batterie, qui ont fait un filaire, qui ont fait le régulateur de charge, un bout de borne pour être connecté au module photovoltaïque, des bornes MC4, une prise d'électricité qui n'a fait la droite du coffret. Donc le coffret qui compte déjà câblé, ouais, je dis que le client est un dos, ou il branche une échelle, mais les panneaux, on va voir. C'est un petit kit, c'est off-grid, le panneau de yellow, et la batterie, le régulateur de charge, ok, un petit onduleur de 200 watts, c'est un mot qu'on a bien maintenant. Là, une installation off-grid, comme ça, l'exemple, c'est un chantier de travaux publics, l'aménagement d'un terrain, où les ingénieurs les avec le chantier, ils faisaient leur réunion dans un conteneur. Un conteneur bâti et établi pour accueillir des réunions. On fait une table de réunion, climatiseur, l'imprimante, des PC, où ils avaient besoin d'électrifier avec le conteneur. On fait tout le PC, surtout la clim. On n'a qu'un safe ou qu'un sable bizarre. Donc, on va venir tomber la clim. Donc, on a proposé à ce client une installation off-grid avec un onduleur de 3 kW. Ouais, un onduleur hybride, mais on l'a utilisé en off-grid 3 kW. 4 batteries de 200 ampères et 6 panneaux. 6 panneaux chacun de 200, 260 watts ou le 270 watts. On met l'équipe à nous flouer la vidéo. Voilà, on a de l'Iban Flow, c'est-à-dire les panneaux. C'est un module hybride, il fait le régulateur de charge intégré. Donc, il y a un régulateur de charge ou l'onduleur, je m'en fais appareil ouais. C'est un climatiseur qui consomme 1500 watts. Voilà, nous l'éclairage, nous avons une photocopieuse qui vira ou qui est des PC. L'installation qu'on avait proposée au client. Donc, le problème qui s'oppose, le dimensionnement d'une installation off-grid, c'est la détermination du besoin énergétique chez le client. Et vous êtes parti chez un client. Il va vous dire que j'ai une télévision, un certain nombre de lampes, une machine à laver, un four électrique. Il vous dit, faites-moi une proposition d'une installation qui peut alimenter l'ensemble de ces appareils. Le problème qui se pose, c'est que lorsque vous voulez faire le dimensionnement, vous avez besoin de l'énergie. L'information essentielle, quelle est l'énergie consommée par ce client? Quelle est la quantité d'énergie qui doit être produite par les modules photovoltaïques? Et l'énergie, elle est en relation avec la durée de fonctionnement de ces appareils. Elle a une télé, oui. Cette télévision consomme 100 watts, oui. Mais il l'utilise durant combien d'heures? Chaque journée. Est-ce que c'est stable? Est-ce que quotidiennement, il l'utilise 2 heures, par exemple, ou 3 heures? Le four électrique, est-ce qu'il l'utilise tous les jours? Durant combien d'heures? Oshga, les saisons, il utilise le four électrique. Donc, le dimensionnement des installations off-grid, c'est le dimensionnement le plus délicat. Là où il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup de paramètres inconnus, parce qu'il n'y a pas un client qui va vous indiquer avec précision l'énergie dont il a besoin. S'il va vous donner une valeur fixe, une valeur réaliste, j'ai besoin de tant de kilowattheures par jour, il vous a facilité la tâche. Mais la majorité des clients, ils ne vous indiquent que le nombre des appareils qu'ils ont. J'ai une télé, j'ai une machine à laver, j'ai un certain nombre de lampes. Alors vous,
il faut que vous imaginez le nombre d'heures de fonctionnement de ces appareils vous-même pour pouvoir déterminer l'énergie demandée. Et c'est l'énergie demandée qui va vous indiquer le nombre de modules photovoltaïques installés, la capacité des batteries. Ça va influencer aussi sur la puissance du régulateur de charge, la puissance de l'onduleur. Mais la puissance de l'onduleur, c'est une information, c'est une donnée facile à déterminer. S'il vous donne tout simplement les appareils qu'il a sur place, vous pouvez déterminer la puissance de l'onduleur sans beaucoup d'incertitudes. Voilà qu'il le nombre des batteries et le nombre des panneaux, c'est là où ça joue. Ça dépend de l'incertitude du client. Et bien sûr, comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas surdimensionner d'une façon exagérée. Si vous proposez une installation très surdimensionnée au client, alors le budget ne sera pas abordable pour lui. Donc, il ne pourra pas investir. S'il ne peut pas investir, vous avez perdu le client. Qu'il y a un autre point, c'est qu'une installation off-grid, ce n'est pas figé. Surtout si vous choisissez le bon onduleur. Si vous surdimensionnez l'onduleur, c'est bon, c'est une bonne chose. Vous pouvez commencer avec un certain nombre de modules photovoltaïques de batterie. D'accord? Et si vous trouvez que c'est suffisant pour le client, c'est bon. S'il a encore besoin de plus d'énergie, vous pouvez rajouter. Vous pouvez rajouter des panneaux, vous pouvez rajouter des batteries. Et comme ça, vous allez stabiliser l'installation jusqu'à arriver aux vrais besoins énergétiques du client. Donc, il y a des solutions de bricolage. Mais normalement, ce qui est à faire, c'est de faire un bon dimensionnement au début. Surtout si le client est prêt à investir le bon montant, le bon investissement financier pour combler son besoin. Donc, demain, Inch'Allah, on va voir comment déterminer la consommation des appareils électriques domestiques, d'accord? Pour déterminer le besoin énergétique quotidien du client. Et à partir du besoin énergétique quotidien du client, on peut suivre une démarche, un certain nombre d'équations à résoudre pour calculer le nombre de panneaux nécessaire, la puissance de l'onduleur, la puissance du régulateur, le nombre de batteries. On va passer aussi même la section des câbles et les éléments de protection. Donc, on va voir ça. Demain, vous aurez besoin d'une calculatrice, vous aurez besoin d'un bout de papier, d'un stylo, parce qu'on va faire des exercices et je vais vous donner le temps pour résoudre ces exercices. Donc, on va vous donner les données et on va faire un exemple ensemble et puis vous aurez des exercices à résoudre vous-même. Donc, je vous remercie pour votre attention aujourd'hui et je vous donne rendez-vous demain, Charles.